les kiffeurs. Bon, comme vous pouvez le voir, on a changé complètement d'environnement. On est au Thornhill Safari Lodge, donc on va faire notre safari au parc Kruger. On est dans une réserve privée juste à côté du parc Kruger. Et la manageuse nous a dit qu'on pouvait voir des zèbres, des girafes, des buffalos, des léopards qui se baladent un peu partout. Avec Axel, on est un peu comme dans un rêve, là. On va vous montrer ça tout de suite. Bon allez, allons visiter ce lodge de folie. Regardez-moi ce spot. Bon là, je parle pas trop fort parce qu'on est dans le lodge et à quelques mètres, il y a des pumbas. Alors de loin, je croyais qu'ils étaient assez petits. Et en fait, ils sont deux. Je vais rester à distance. Je vais m'approcher calmement et je vais aller les filmer avec le zoom. Vous les voyez là-bas? Les deux là? Je vais zoomer encore un peu. Donc là, attention, l'anglais va être horrible. On est au Hot Spirit Engadget Species Center. En gros, c'est un centre qui prend soin des espèces, notamment des guépards. Et ils vont nous emmener du coup dans une réserve privée pour un petit safari de 3 heures. Et normalement, on devrait voir plein d'animaux. Bon là ça fait que 2 heures qu'on est ici, on a déjà vu tellement de choses. Genre les éléphants c'était juste incroyable. L'Afrique c'est ouf, honnêtement c'est ouf. Et j'espère qu'on va rapidement voir des lions. Moi ce que j'ai préféré voir c'était les rhinocéros, franchement c'était incroyable. Les rhinocéros blancs, ils étaient magnifiques et puis énormes. Et aussi les koudous. Ouais les koudous, c'est une espèce de, je sais pas c'est quoi, c'est comment décrire, c'est des antilopes avec les lignes blanches sur le dos, les énormes cornes, c'est impressionnant, c'était magnifique. J'espère moi voir des léopards par la suite. Et des hyènes, parce que j'adore les hyènes. Cette première journée du côté du Kruger National Park était juste oufissime, on a vu des éléphants mais comme jamais on en aurait vu autre part, vraiment c'était énorme, Salim a vu ses premiers zèbres. En tout cas, ça promet pour la suite. En attendant, abonnez-vous, partagez cette vidéo et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que la vie, c'est avant tout du kiff.